À un moment donné, avec le bâtillage, les mouvements d'eau, et puis le travail des ragondins qui viennent creuser, dégrader des berges, il va y avoir des fois ces masses qui forment des tours à dons. Donc en fait, ça part du sol, ça monte hors de l'eau et il va y avoir le houppier. Ils vont finir des fois par s'effondrer. Et partent à l'aventure et partent à la dérive avec les vents, hein, et les mouvements d'eau. Donc, et moi j'ai entendu dire, j'en parlais, que des pêcheurs appelaient ces masses dérivantes des bloutes. Et je trouve très beau, c'est à la fois drôle, c'est un mot qui est drôle, il y a une poétique comme ça. Et de fil en aiguille, bah, la bloute finit par désigner un peu tous ces objets dérivés des carex et des fois les carex eux-mêmes. Bon, idéalement, il faut quand même qu'ils fassent des tours à dons. Le tour à dons, c'est cette espèce de structure comme ça qui est poussante sur elle-même et qui s'élève comme une tour. Donc là, la tête est une vieille bloute. Des choses en entraînent une autre, des rencontres sont hasardeuses ou programmées. Et de fil en aiguille, cette collection d'histoires entraîne des fois aussi des collections d'objets, que ce soit par des rencontres avec des humains ou, tout à l'heure comme on disait, avec des ragondins, des écrevisses, des formes végétales aussi, la jussie, les rhizomes de nénuphar. En fait, c'est une espèce d'agrégation de tout ça qui mène au masque cache. Je suis en train de la rendre à nouveau opérationnelle pour qu'elle puisse être déplacée. Je cherche plutôt à collecter, à ramasser des matériaux qui sont... c'est comme si je cherchais à les agglomérer pour faire cette structure, cet habit. Dans lequel après je peux m'insérer. À force de promiscuité, des services comme ça que j'ai pu mettre en place pour la faire exister, la nourrir. Oui, je pense qu'il y a une certaine forme d'empathie et de personnification un peu de la grande bloute. En plus, c'est bien parce que c'est une confrontation physique. On est la même taille. Il y a un rapport... il y a une dimension physique dans le rapport. C'est ma grande route, quoi. Mais avec le temps, a fini par tomber. C'est pour ça qu'il est temps que je retourne, que je fasse la restitution. C'est quelque chose
qui me taraudait quand même depuis des années. J'avais l'impression que c'était. J'ai toujours pas fini ce travail. Et là, enfin, on va pouvoir aller jusqu'au bout du geste de rendre la grande voûte au milieu. Les éléments qui ont été ramenés sont issus du lac, ou à proximité du lac, ou en lien direct avec le lac. Donc c'est un mélange. Et puis les rhizomes de nénuphars viennent du lac, peut-être de moments différents. Et les os de ragondins. Il doit rester des peaux de ragondins qui ont été insérées dedans. Les morceaux d'écrevisses se sont trop dégradés. Et donc en fait la grande voûte se charge, enfin elle s'est chargée à l'époque des matériaux du lac. C'est une certaine façon de devenir le lac, d'être. De récupérer des éléments de, on pourrait dire presque de camouflage. C'est pour ça que c'était appelé un cache, un masque cache à l'origine. Les premiers éléments qui m'ont interpellé dans les visites au lac, ça avait été justement les caches de chasseurs. Et donc la grande voûte est liée en grande partie à ces objets assez étonnants qu'on trouve, qu'on rencontre, qu'on peut croiser dans le marais, qui sont complètement dissimulés. Dans des bouillées de saules qui ont continué de croître. Donc on va dire qu'il y a une espèce de jeu où les éléments s'entremêlent entre ce qui fait partie de l'objet d'affût pour la chasse et puis les éléments naturels. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais important pour la grande voûte. En fait, le masque cache, ça me permet de donc, en fait une espèce de l'heure comme ça, déplaçable, qui est un peu une certaine idée du marais, du lac, que j'emmène avec moi. Et pour moi, créer cette rencontre, c'est se donner les moyens d'entrer dans le milieu, et d'entrer dans le milieu, c'était avec un certain nombre de précautions, qui étaient de. Un peu dans l'idée, comme pas trop déranger, se fondre dans l'idée du leurre, du camouflage. C'est pour ça qu'il y a ce jeu avec comment dire, la cage de chasse. Et que ces filets finissent par emporter dans leur maille ce qu'ils récoltent du lac. En fait, la rendre au marais, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que tu passes d'un milieu atmosphérique extérieur qui est terrestre. À un milieu humide, aquatique, qui est justement cet autre aspect fondamental du marais, ce jeu entre les moments en eau, les moments asséchés, et la grande goutte va retourner à l'eau.